Salut tout le monde, alors c'est une vidéo spéciale pour ceux qui souhaitent participer à votre histoire du jeu vidéo. Alors YouTube, c'est beaucoup trop galère pour s'envoyer des messages, je m'en suis rendu compte un petit peu tard, du coup je crée une petite adresse mail qui doit s'afficher quelque part sur votre écran, votrehistoiredujeuxvideo@gmail.com, sur laquelle je vous invite à m'écrire si vous souhaitez participer. Je répondrai à tout le monde et tout le monde est bienvenu, peu importe. Il y en a qui m'ont dit oui mais j'ai 15 ans, donc non. Il y en a aussi un qui m'a dit oui mais j'ai un accent québécois, du coup non, si vous avez un accent québécois, non, là participez pas, non, je plaisante, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez participer. Donc comment ça se passe? Vous m'envoyez, à part ceux avec qui j'ai déjà dialogué, mais YouTube c'est trop galère, des fois ça marche pas, il y en a qui n'arrivaient pas à me répondre, ça mettait erreur, donc ils me contactaient par Facebook. Là, vous m'envoyez sur cette adresse mail votre liste de vos jeux préférés. Alors ça comptera plus parce que les 30 meilleurs jeux sont déjà sélectionnés, ça y est, j'ai fait ma liste, je les ai comptés, donc ce sera 30 jeux, oui. Et donc vous me mettez vos jeux préférés, je cafouille un peu. Donc peu importe le nombre, si vous avez 20, 30 jeux, peu importe, vous mettez tous vos jeux préférés. Moi je vous dirai parmi votre liste ceux qui font partie du top 30 et donc ceux sur lesquels j'attends une vidéo ou un texte. Encore une fois, si vous souhaitez être créatif, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite de forme. Si vous souhaitez faire une vidéo où vous mettez en scène avec des sketchs sur le jeu, vous pouvez. Si vous souhaitez faire simplement un commentaire audio, vous pouvez. Si vous souhaitez faire une chanson sur le jeu, vous pouvez. Si vous souhaitez faire un fan art que vous commentez sur le jeu, vous pouvez. Tout est accepté, bien entendu, il n'y a pas de limite. Simplement, je vous invite quand même à au moins, si vous écrivez un texte, l'enregistrer. Parce que finalement, je me rends compte, je retourne un petit peu ma veste par rapport à ce que j'avais dit, mais si c'est moi qui l'enregistre, votre texte, c'est moi qui le... C'est pas très intéressant. Le but, c'est que ce soit votre histoire du jeu vidéo, c'est de plus m'entendre moi. Moi, il y en a un petit peu marre, ça commence à devenir relou de m'entendre. Ensuite, je tiens quand même à vous préciser un petit truc, c'est que les meilleurs d'entre vous seront sûrement diffusés sur jeuxvideo.com. Alors attendez-y, vous. Voilà, donc les meilleurs textes, les plus pertinents, les vidéos les plus créatives seront sélectionnées pour une émission sûrement que je ferai quand tout ça se sera fini. Voilà, le top 30 avec les meilleurs, pour moi, ceux qui m'ont semblé le plus pertinent. Et aussi, si vous avez une chaîne YouTube ou un site, n'hésitez pas à me le dire pour faire votre pub, mais surtout parce que les personnes qui apprécient au moment où ce sera diffusé sur la chaîne YouTube, les personnes qui apprécient votre passage, qui vous trouvent intéressant, qui puissent savoir où retrouver votre travail. Alors je vais être un petit peu pénible, même si vous êtes totalement libre, je vais quand même vous donner quelques conseils. Parce que j'ai déjà reçu pas mal de vidéos et pas mal de textes et je me suis aperçu que c'était pas toujours très clair ce que je voulais, donc je vais quand même vous donner quelques conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne soyez bref. Une vidéo, un commentaire qui dépasse 3 minutes, c'est long. C'est très très long. Quand vous simplement vous parlez, alors à moins que ce soit très pertinent et que vous ayez plein de choses à dire vraiment qui vous semblent essentielles, mais sinon, faites 2 minutes, 3 minutes, c'est bien. Même si vous faites 30 secondes, si vous voulez dire, voilà, j'adore ce jeu parce que moi, il m'a marqué, parce que tatatitatata, c'est bien, c'est déjà super que vous participiez en faisant un tout petit truc. Mais voilà, évitez, il vaut mieux que ce soit trop court que trop long, vraiment, ça c'est important. Deuxième conseil, j'ai noté. Ah oui, alors, chose aussi importante, c'est que il faut vraiment bannir. Je sais que c'est un réflexe quand on présente un jeu, mais il ne faut pas parler de la sortie du jeu, la date, l'éditeur, etc. Parce que, en fait, vous êtes plusieurs à passer par jeu, et ça devient vite relou de vous entendre tous dire « Alors, c'est un jeu sorti en 2006, édité par Capcom, qui a... » Voilà, ça, si vous pouvez... Bannissez-le, on s'en fout. Et puis tout le monde, en général, ce sont des jeux assez connus qui sont dans le top 30 pour la plupart. Donc voilà, évitez tout ça. Même chose, les choses trop évidentes du style c'est un scénario fort avec un gameplay. Enfin, précisez, il faut que ce soit personnel. Il faut qu'on sente, vous, ce qui vous touche dans le jeu. Alors, bien sûr, vous pouvez parler du scénario si c'est ce qui vous touche. Parler du scénario, etc. Parler... Mais voilà, les choses un petit peu trop conventionnelles, laissez de côté. Essayez vraiment d'être concentré sur, sur l'essentiel et qu'on sente que ce soit personnel, vraiment. Que ce soit vous, pourquoi ça vous touche, ce jeu, tout simplement. C'est le plus intéressant, je pense. Aussi, des choses que j'ai vues pas mal, c'est interdit de parler de moi, enfin, interdit. Non, si par exemple j'ai dit quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo qui vous plaît pas, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, là je vous invite à dire, alors Edouard a précisé ça, mais je trouve que nanana, oui. Mais si c'est juste pour dire, alors je participe à l'émission d'Edouard, votre histoire du jeu vidéo, ça non, bannissez-le, on s'en fiche aussi totalement, c'est pas le sujet de la vidéo, parlez pas de moi, parlez simplement du jeu, voilà. Et deuxième chose... oui, ne pas faire sa pub. J'ai aussi eu pas mal de
Personne, désolé, je fais du bruit avec cette chaise. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit oui, alors vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube tatatitatata ou mon Twitch tatatitatata. Ça, je m'occuperai de le faire pour vous. Ne le faites pas du tout, c'est aussi hors sujet. Moi, quand il y aura votre passage, je mettrai un petit onglet avec votre chaîne YouTube ou ce que vous voulez. Et voilà, pour que les gens puissent vous retrouver, mais ne faites pas vous-même votre pub, c'est hors sujet, tout simplement. Alors pour les conseils, je crois que tout est dit. Comment m'envoyer la vidéo? Vous êtes, tout le monde me le demande, parce que je ne l'ai pas précisé. Je suis un petit peu à l'ouest. Effectivement, comment m'envoyer la vidéo? Bah, comme vous le voulez, mais le plus simple pour moi reste quand même que vous l'uploadez tout simplement sur YouTube, votre fichier son ou votre vidéo, et moi je la récupère, je la télécharge, ça reste le plus simple. Alors voilà, on termine, on boucle ces petits conseils, tout simplement. Je vous invite vraiment à participer. Parce que c'est le but, moi je suis content de faire cette émission, ça me plaît beaucoup, ça me motive, j'aime bien vous entendre, j'aime bien recevoir, écouter ce que vous avez à dire sur les jeux, ça change un peu de moi tout simplement, donc je suis très content, j'espère que vous serez beaucoup, je vous invite à m'écrire donc sur ce mail, que peu importe votre âge, même si vous avez un accent québécois, vous pouvez participer. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Pour ce qui est aussi des délais, vous me demandez tous les délais. Pour l'instant, vous avez tranquillement 3 semaines, on va dire, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Alors, ça dépend aussi des vidéos, parce qu'en fait, la vidéo, par exemple, qui est 30e, ce sera donc la première vidéo. Celle-là, il faudrait que ce soit prêt assez vite. Donc, je vous préciserai de toute façon, mais bon, je pense que je vais lécher. Je vais lécher. Je vais laisser 2 à 3 semaines à tout le monde pour faire tranquillement votre vidéo. Et ensuite, moi, je uploaderai tout ça. Voilà, enfin vous êtes pas, c'est pas pressé parce que j'ai déjà reçu plein de vidéos le lendemain. Ah oui, un dernier conseil, voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo, un dernier conseil que je vous donne, mais vous le respectez ou pas, c'est comme vous le voulez. Mais moi c'est ce que je fais, en tout cas quand j'écris quelque chose, une vidéo sur YouTube, en général je fais un premier jet. Donc c'est-à-dire que j'écris en entier ma vidéo, ensuite je laisse reposer minimum 4 à 5 jours. Sans y toucher, sans y penser, j'y touche plus du tout. Et je reviens dessus ensuite, après ce temps écoulé. Et là, en général, on a un regard nouveau sur notre texte. On se dit, ah ouais, non, alors tout ça sert à rien. Putain, mais pourquoi je parle de ça? C'est pas du tout pertinent. Mais en revanche, je pourrais dire ça, et on change plein de choses. Et là, en général, ah, tout de suite, ça, hein, c'est bien mieux écrit en tout cas. Donc, c'est le petit conseil que je vous donne, c'est écrivez un truc, laissez de côté une semaine et vous revenez dessus. Et là, en général, vous allez faire plein de modifications qui vont être judicieuses normalement. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne, à suivre ou pas, peu importe. Et voilà, je vous invite à m'écrire, je répondrai à tout le monde. Voilà, vous donnez votre liste de jeux, je pense que tout est dit, on se retrouve très vite. Il y a un prochain hors-série qui devrait arriver. L'histoire du jeu vidéo s'est décalée du jeudi au mardi. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas, donc ce sera pas ce jeudi-là, ce sera mardi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère que vous serez nombreux. Et voilà, je vous invite tous à participer à votre histoire du jeu vidéo, aux 30 plus grands jeux de tous les temps, pas selon mes choix, selon vos choix, qui sont plus pertinents que les miens, je l'espère. Donc voilà, on se retrouve très vite. Ciao, 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 bye, 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 bye!